Le visiteur du musée du Louvre, interrogé à la sortie, n'en dit pas beaucoup plus que s'il avait visité la Tour Eiffel. Il se conduit en touriste. Il est le spectateur innocent, pas concerné. Il n'entre pas, il passe d'un lieu à un autre. Le géographe s'intéresse à ce passage. Pour lui, il entre dans la catégorie « déplacement de population ». Monsieur Chabot, vous êtes professeur à l'Institut de géographie. Que pensez-vous du tourisme ? Pour le géographe, le tourisme est un fait de déplacement. Et quelle est la cause essentielle ? Il y en a plusieurs. Et en particulier, il s'agit, je crois, en ce moment du tourisme de masse. Car le tourisme est quelque chose de très ancien. Mais actuellement, le tourisme de masse se trouve avoir des causes qui sont plus diversifiées que le tourisme ancien. Qu'est-ce que vous entendez par tourisme de masse, M. Burnet ? Il y a des dates qui permettent justement de comprendre que le tourisme de phénomène réservé à une stricte minorité de gens favorisés par la fortune est devenu, grâce aux lois sociales, un tourisme effectivement de masse. Et 1936, c'est bien l'un de ces moments, par exemple. Et encore aujourd'hui, si les lois sociales ne sont pas l'une des causes du tourisme, elles sont le phénomène qui rend possible le tourisme. Ces causes, c'est sans doute, comme le disent, je crois, les sociologues, le désir de voir des choses nouvelles. C'est certainement une des causes. Il y a aussi le besoin physiologique, psychologique, de s'échapper du milieu dans lequel on vit, surtout si ce milieu est le milieu urbain où la vie souvent est difficile. Besoin psychologique et besoin physiologique sont souvent le couvert d'un besoin social. Témoin l'homme d'affaires surmené qui va voir le médecin pour préparer sa cure thermale. Il choisit, dans une France symbolique, où le foie serait situé à Vichy, les reins à Vittel, les intestins à Châtel-Guyon, un lieu correspondant à son blason, à sa faiblesse propre. Depuis son enfance, il sait qu'il souffre du foie, des reins ou d'autres choses. Couvert par le prétexte de sa guérison, qui garantit son idéal de travail, il justifie son loisir socialement, il lui donne une valeur curative. La source thermale symbolise merveilleusement le retour à la pureté et à la simplicité qui donnent leur valeur morale et sociale à ce